Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Niche. J'avais envie un peu de tester une petite nouveauté de Niche. Donc voilà, d'en jouer. Alors, j'ai plein de parties, il faut que je trie, je sais plus tout. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais qu'on a une partie bac à sable en live qu'il faut qu'on continue. Je sais plus c'est laquelle, il faudra que j'aille jeter un oeil là-dedans. Donc, logiquement, c'est la dernière, logiquement. Il nous reste une place, on va aller en bac à sable, qui nous permet donc de créer notre partie comme on veut, où on veut. Et alors on avait les îles faciles, les îles moyennes, les îles difficiles, et les îles difficiles, on en avait quand même méchamment chier. Et bien maintenant il y a les îles tueuses, mesdames et messieurs. Les îles tueuses. Alors, jungle profonde, non merci moi la jungle, oh, j'arrive déjà pas dans la jungle de base. Île natale, terre du gel, colline mortelle. Alors j'hésite entre colline mortelle ou île natale. Vu qu'on va mourir, on va peut-être pas aller direct dans un endroit qui est dit mortel. Alors on va essayer l'île natale. Je me demande bien ce que ça va donner. Donc c'est parti, on se fait une petite île natale. C'était vraiment pour essayer ou faire un petit épisode, parce que à mon avis on va pas aller bien loin. Sur cette nouvelle map, on a 4 nouvelles maps, il faut les regarder quand même. Il faut voir ça. Et à mon avis ça va pas être... Bon en fait à regarder comme ça, ça a l'air même plutôt pas mal. Bah, en quoi c'est difficile? La fille elle dit ça, elle va dire 10 minutes. Mais non mais franchement, on a pas de buissons. Mais on a des... Si, on a des buissons, on a des buissons, on a des arbres. Quantité astronomique d'arbres, à moins qu'ils aient pas de noix, mais sinon... Là, comme ça, à regarder comme ça, ça m'a l'air normal. Ça m'a l'air normal. Elle pêche, notre fille. Il n'y a pas l'air d'y avoir de poissons, mais il y a de l'eau, donc il y en aura peut-être à un moment donné. Lui aussi, ok, ce sont des pêcheurs. Alors, par contre, ce sont des petits récolteurs et pas du tout cracking pour effectivement les arbres. On va regarder, hein. On va regarder, les amis. Qu'est-ce qu'on va vous mettre comme gène? Un truc qui cogne. Et on attribue cracking. Cracker, pardon. Je suis encore à la version anglaise. Ok. Et on va vous mettre... Alors pour commencer, en général, j'ai tendance à mettre ça parce que ça donne plein de trucs. On va vous mettre un peu de récolte parce que vous n'en avez pas lourd. Hein. Je te fais la même. Ouais, hein. Soit on n'a rien pour le moment en gêne. On n'a rien de rien, on est tout pourri. Ok, vérifions. Qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Que dalle. Ok. Ma fille, il y a un nid taupe là. Je pense que ça vaut le coup de faire son nid là, je ne pense pas. Alors attends, accouple-toi. Impec, mets-toi là et fais ton nid voilà, à côté des taupes. Toi, il nous faut à manger, mon ami. Et je pense, je l'ai cru voir. Ouais, il y a un buisson tout là-bas. En fait, j'aurais dû peut-être pas faire le nid si loin. Et ça, c'est un nid de lapin. Ouais, voilà, c'est ça. Les arbres, ils sont pleins de noix, mais on n'a pas de quoi les ramasser. On n'a pas cracking. Donc, il va vite falloir qu'on trouve un individu qui a cracking. Parce que sinon, effectivement, on ne peut pas manger. Voilà, il y a plein de noix, mais on ne peut pas les casser. Tour suivant. Plouc. Alors, le petit bébé. Le petit bébé. Le petit bébé. Bon, il a l'air d'avoir pris... excusez-moi, un peu en récolte. Lapin. Lapin. Alors le lapin, on l'aura jamais quoi. Oh, bonjour. Bonjour, Duc. Duc Nuban. Duc Nuban. Oh, il a l'écran empoisonné, ça c'est sympa. Et bon, prends-le. Vas-y. Pourquoi tu peux pas le... Pourquoi tu peux pas... Bah, pourquoi on l'attaquerait? Moi, je veux que ce soit un copain. On peut pas récupérer nos individus en difficile? Non. Oh, lui, il a cracking. Oh, lui, il avait une tête de cracking, lui. Attends, attends. Ah non. Ah j'ai cru. Mais la poison aussi. Cunuvan et Duc Nuvan. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Récupère à manger. Plus de nourriture. Ah ouais, ils ont tout bouffé. C'est salaud. Hop, il y a un nid là en fait. Mets-toi sur le nid. Pourquoi on ne peut pas les récupérer? Oh, me dites pas qu'en difficile on peut pas récupérer de nouveaux individus. Eh mais c'est des jumeaux en fait. Est-ce que c'est parce que faut la femelle? Oh, ils sont c'est des triplés. C'est quoi ce délire? Non mais on peut que les attaquer. Pourquoi?
Pourquoi on peut que les attaquer? Pourquoi ça peut pas être des copains? Oh, ça pue. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est dans le caca. Ils nous attaquent pas, ceci dit. Voilà, couple-toi avec ta femelle, parce que ça évitera que un, quoi qu'un d'eux le fasse, ça aurait pas été très grave. Donc, il n'y a pas à manger. On va se rapprocher des lapins. Alors, eux, du coup, ils vont nous piquer toute notre bouffe, en fait. Ils nous piquent toute notre bouffe, et on peut pas s'en faire des potes. C'est triste, mais moi, je voulais les récupérer, moi, les copains, là. Pourquoi je peux pas les récupérer? Oh, la tristesse. Oh, on a eu des jumeaux. Ah, il y a un nouveau à manger. Vite, va chercher les baies avant que les triplés maléfiques les mangent. Voilà, on a réussi à en avoir. Ouais, on peut toujours pas les prendre. Bah reste près des lapins, hein, qu'est-ce que je te dise. Si je les attaque, il se passe quoi? Pas grand-chose de constructif. Ouais, fait tomber des noix, mais bon, ça aide personne. Oh, c'est bizarre comme partie. Vite, 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 vite. Toujours tenter, mais ouais, ça marche pas. Les lapins, les lapins. Je suis assez embêtée, je sais pas quoi. C'est concept. C'est vraiment. Oh moi, je t'ai oublié toi. Je t'ai complètement oublié toi, mon petit. Donc en difficile, on ne peut plus prendre d'individus sauvages. Ça, c'est vraiment vraiment bizarre. Les petits, vous allez partir en conquête du monde. Moi, je voulais le prendre, le copain. Mais on est dans la merde, parce que là, on est 4 et on n'a rien à manger. Ouais, voilà, ça y est, la famine commence à arriver. Ok, on récupère vite les baies et un des petits pour aller chasser du lapin là-haut. Ok. Ce qui est affreux, c'est qu'on a des noix partout. On a vraiment des noix partout, partout, partout. Tu vas essayer de la choper. Non. Mais on n'a pas... te rapprocher des lapins. Oui. Oh, bonjour. Bonjour, madame. Ou alors, c'est parce que c'est des mâles qu'on pouvait pas... Non, mais il y a des individus partout et on peut pas les prendre. Comme c'est stressant, quoi. Attends, peut-être que la dame, tu peux. On peut pas. Mais c'est quoi cette tristesse monumentale? Toi, chasse la taupe. Ouais, tu parles, t'as vu venir à des kilomètres. Oh, on va mourir de faim. Oh, on va mourir de faim. C'est concept comme partie. Donc, ok, c'est la nouveauté en fait du difficile. Tout à fait. Le petit lapin, il est parti où? Non, mais il y en a partout et on peut rien faire, quoi. Wow. Donc, en fait, la difficulté de la map, donc l'île d'origine, c'est qu'en fait, il y a une autre meute. Il y a une supra-meute, une super famille. Alors, ils nous attaquent pas, ça c'est déjà pas mal. Il y a une grande famille et on ne peut pas les récupérer, on peut juste leur foutre sur la gueule, mais ça peut, même ça, ça peut l'air... Peut-être qu'on peut les manger si on les tue. Merde! Ah bah oui, c'est défendu à un moment donné, le gars. Le gars, tu le fous sur la gueule, il en a marre, quoi. C'est ballot. Non, tu peux toujours pas. Alors quand c'est orange et que vous n'avez pas le pouvoir pour ramasser, là par exemple, ils n'ont pas cracking, ils ne peuvent pas techniquement pas ramasser les noix. Voilà, ouais. Mais c'est un orange, alors vous pouvez tenter quand même. Et des fois, il y a un faible pourcentage de chance, mais des fois, ça fonctionne. Ils arrivent à faire ce pourquoi normalement ils n'ont pas les attributs. Ok, on va commencer à mourir de faim. Je vous ai dit que ça allait être un court épisode. En tout cas, on sort. Allez, vas-y. Non. Ah, il y a un lapin. Il y a un lapin. Lapin. Ouh, il y a des lapins. Alors attendez, attendez, attendez. On essaie d'encercler les lapins. Vas-y. Yes. Viens manger. Viens, je récupère la viande avant qu'on nous la pique. Ok. On a eu un lapin. On va tenir encore un tout petit peu. Ouais, tu parles. Il y en a encore un là. Ah mince, t'as plus toi. Ah mais il va se barrer. Il va se barrer le lapin. Et oui. Et votre papa, il a rien à bouffer par là. Non, pas ça. Ah, il y a une tour, mais elle est dans le sol. Donc le lapin, il est là. Et il n'y en a pas d'autre. C'est triste. Ah, si, on a un là-bas. Hop, il y en a un là. Vas-y, on essaie de contourner Pimpin. Ah, ah, Pimpin. Ah, Pimpin. On l'a eu? Ah. Je pense qu'on l'a eu. Je
crois. Bah, je vois pas la viande. Ah non, on nous l'a pas déjà bouffé. De toute façon, j'ai plus d'énergie pour la prendre. On nous a bouffé notre lapin? Sérieux? Non, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Il est pas mouru. Ah, mais casse-toi, je veux... Oh, mais il y en a partout! Rendez-moi mes lapins! Mais il y en a partout aussi, des mecs! Mais laissez-nous manger, putain! On va tous mourir! Allez, quoi, on a des enfants, tout ça, vous allez pas nous laisser mourir? Pourquoi je peux pas cliquer? Pourquoi elle est plus cliquable, madame? T'es buggée? Super! Bah non, ma grosse. Ah non, ou alors t'es pas de chez nous, toi. Ah merde, ah oui, non, c'est celle-là, ma femelle. Pardon. Tant pour moi. Cassez-vous. Non, mais cassez-vous, je veux des bébés, ils ont tout bouffé. On va mourir de faim. Ah, ils sont en train de nous faire chier à mort. Ok, c'est ça la difficulté. Vas-y, 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 va aider, ta soeur. Lapin. Lapin. Lapin, lapin. Ah là là, on est plus que 4 déjà. Oh l'angoisse intersidérale. Et on n'a rien fait et on n'a pas à manger. Ah, lapin. Ça va être l'épisode le plus court du siècle. Non mais sérieux, arrêtez de le faire tourner, le lapin, vous le... Faut le coincer. Putain, mais maintenant on n'a plus d'énergie quoi. Allez, on se concentre, on fait ça bien. Il y a un buisson là, il y a un buisson, il y a un buisson. Putain, il est vide. Lapin? Les lapins? Ils ont tout bouffé les autres? Ils ont mangé tous les lapins? On est pas dans la merde. Bon, si on les attaque pas, ils nous attaquent pas. Ça, c'est déjà ça. Là, par contre, on est bien. Yeah. Ok, vous êtes plus que tous les deux, les enfants. Vos parents sont morts. J'en suis fort confus pour vous. J'en suis fort mari, mais vos parents sont morts. Il faudrait que vous fassiez un... Oh, il y a un buisson. Oui, mais il est vert, ils ont tout bouffé. Putain. Attendez. On va essayer de faire ça bien. Attends, attends. Mets-toi à côté de ton frère. Fais-y un... Et on n'a pas de quoi faire un nid. Un nid. Il y en avait un par là-bas, je crois. Bon, il n'y a pas de nid. Alors attends, toi. Ouais, le buisson est vide. Pff, le lapin, il est barré. Tout le monde nous fait chier. Bon, on va essayer de te trouver un nid, madame. Sauf qu'on va vite avoir faim. Là, il y a des baies, il y a des baies, vite, vite, servez-vous. Avec. Oh, là-bas, le nid. Vas-y, ouvre le chemin pour ta sœur. Vite, avant qu'une de leurs femelles y soit. Ouf, avec. Ok. Oh, il y a un buisson. Oh, il y a des buissons, ils ont pas tout bouffé. Oh, on a une chance. Allez, allez, courage. Oh, la taupe, ça vaut pas le coup. Non, la taupe, ça... Oh, bah, vas-y. Reste peut-être dans ce nid parce que sinon ils vont te le piquer. Donc toi tu iras chercher à manger là-bas. On va y arriver. Petite femelle. D'ailleurs on a dû débloquer. Ah purée, elle doit être empoisonnée. On a dû débloquer des gènes. Je vous ai pas mis des gènes. Je sais pas si on a débloqué des trucs sympas. Non, on n'a pas l'air d'avoir débloqué grand chose. Hop. Oh là là, va vite falloir que vous refassiez des bébés. Vite, et toi? Non, c'est à toi que je viens de faire, donc c'est elle. Oh, elle est morte. Elle est morte le long de tour, à peine. Peut-être même pas. Ah, shit. Bébé bouge. Il faut que maman, elle refasse un petit. Un bec, et va là-bas. Rapproche-toi des bébés. Oh là là, vous allez avoir faim. Bon, bah, j'ai pas géré. En fait, c'est elle qui aurait dû s'accoupler, qui aurait dû bouger. Tant pis. Normalement, elle fait son bébé avant de mourir. Oh, papa est mort aussi. Oh, la vache. Va nourrir ta soeur. Ah, vous êtes deux filles. Super. Impeccable. Deux filles. Non, ils ont tout bouffé. Deux filles sur une île où on peut pas récupérer les autres individus. Ça va être vite à faim. Vite, avant qu'ils bouffent tout. Pour te nourrir avec ta petite sœur. Elle est mignonne la petite sœur qui crotte l'oreille là. Elle est choupitette comme tout. Oh là là. Allez vite, vite, vite. Mange, prends un max.
prenez un max. Mais alors là, le problème, si on peut pas récupérer de mal, c'est qu'il faut vraiment se parer de cette île. Donc là-haut, comment ça va être chaud. On va essayer, on va traverser, on va essayer de se barrer. On va ramasser un certain nombre de baies. Mais pourquoi elles sont... Pourquoi elles ont déjà quelque chose là? Elles n'ont pas été touchées, elles. Elle vient de naître, personne lui a tapé dessus. Pourquoi elle a déjà un malus? Oh la vache. Il pleut, vite. Vite, il pleut. Ramasse un max de baies. Ok, et à travers ça, un petit peu. Ils ont déjà tout maqué. Putain. Non, lui tape surtout pas dessus, il va t'empoisonner. Bon, les filles, on va tenter de traverser. En essayant de trouver à manger sur la route, ça va être très compliqué. Allez, on essaie. Il y a un buisson là-bas. Hop. Allez, suis ta sœur. Oh, ils sont partout, les mecs! Ils sont partout! Oh là là! Il est vide. Bon, bah, cours. C'est tout ce que tu peux faire. Oh, le lapin. On perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. On a perdu du temps. Ah, 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 ah. S'il bouge pas, on peut se faire un lapin sur la route. Ouais, t'as la dalle. Là. Yes. Impeccable. Allez, cours. Toi. Hop. Hop. On y va. Oh, oh, on va peut-être avoir un lapin. Allez, les filles, tenez le coup. Il faut déménager. Impec. Bon, tu peux plus bouger, mais au moins, on a à manger. Oh, y a plein de lapins, c'est cool. Ok. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Vas-y, déménageons. Il y a des baies, il y a des baies avant de partir, parce qu'on va vraiment être dans la merde. Ok. Ah mince. Ouais. Ok, et vous déménagez le tour suivant. Vous avez fait un tout petit stock de nourriture, les filles. Et maintenant, il va vraiment falloir qu'on vous trouve un garçon. Hop, travel. Oui. Bon. Allez, on tient un petit peu le choc. On a réussi à partir de cette île maudite, remplie d'une autre tribu. Et là, on est sur une toute petite île avec deux possibilités de se barrer. Ok, par contre, j'espère qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de buisson de bouffe. Eh non, 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 pas ça. Oh, il faut qu'on mange. Il n'y a pas à manger. Oh, on est dans le caca. Bon, on va essayer de traverser le plus vite possible. Vous avez quoi comme jeu? Vous avez la pêche de vos parents? Vous n'avez pas appris la pêche de vos parents? Ben oui, parce que ce serait trop simple. Là là. Ouais, bah vous allez vite avoir faim. Hein. Courage. Courage, courage. Oh non, moi j'ai là. Vas-y, non, la taupe, elle s'est barrée. Ok, bah on va pas rester. Hein. Sinon, il nous faut un garçon. Je suis pas bien sûr qu'il y a un mâle pour nous cacher là-dedans. Peut-être, mais... est-ce que le risque en vaut la chandelle? Je ne pense pas. Je pense qu'il vaut mieux... Donc il n'y a plus déjà... Qu'il vaut mieux retraverser. Retraverser. On peut pas? Bah, on peut forcément traverser, il y a un chemin. Bah. Ah, pardon. Allez, d'île en île, on va peut-être réussir à faire quelque chose avant qu'elle meure. Je t'ai mis la boulouche. Oh non. Bon, on est mort. Finalement, j'aurais peut-être dû rester en arrière. Ouais, non, parce que cette île-là, c'est impossible. Ces buissons-là font des dégâts et du poison. Et sans animaux pêcheurs, c'est pas gérable. On peut pas retraverser. Oh la loose. On peut pas retraverser. Sûr? Ah ouais, sûr. Bon bah traverser par là. Oui, vous allez mourir de faim. Oui, je sais. Je sais. Il n'y a que des buissons empoisonnés sur cette map. J'en suis fort désolée pour vous les filles. Comme vous n'avez pas cracking, bah là la noix de Saint-Jacques. Allez, on teste une fois, hop, et on bouge. Ah, ça, je crois que vous pouvez ramasser, non? Vas-y, fais voir. Non, tu peux pas? Vas-y,
Ouais, mais tu vas te noyer. Oh là là, non, mais il a la tête hors de l'eau, hein, faut pas déconner. Hein. Cet animal pour respirer sous l'eau. Ah tiens. Ah bah c'est bien. Ok. Bah si tu peux respirer sous l'eau. Ça n'a rien donné en fait. Ah, vous me les... hein. Normalement ça emmène ta soeur, j'espère, sinon t'es toute seule. Mais je pense qu'elle était assez proche. J'espère qu'elle était assez proche. Elle était assez proche, hein. Ouais, elle était assez proche. Oh, mais c'est la même, quoi. C'est la même chose, s'il y a des petits bouts d'herbe. Un petit peu de chance, peut-être. Peut-être. Peut-être on va avoir à manger. Peut-être. S'il vous plaît, nous, laissez-nous manger. Oh, oui, il y en a deux. Viens, ma cocotte. Oh, par contre, il y a des sangs dessus. Voilà, petite seule. Ah non, celui-là, il faut pas le manger. Non mais oui, alors par contre le nid c'est bien, on a un nid mais on n'a pas de mal. Hein. Donc généralement, sans mal, c'est pas évident de faire des bébés. C'est un truc qu'on m'a appris, je sais pas, c'est... Oh, lapin. Lapin costaud parce qu'on l'a pas tué. Bon, on est quand même dans le caca, parce que là on n'a pas de mal. Et nos fifilles, elles vont pas vivre indéfiniment. Hein. Moi je dis qu'il y en a une qui reste sur la bouffe et une qui va bouger. Essayez de trouver un garçon. Oui, on a un nid. Ah, on a encore à manger là. Ok. Toi tu restes. Non, non, pas ce buisson-là, ça va te tuer. Bah c'est tout. Et hop. Oh là là, elles sont bientôt mortes. Explore, s'il vous plaît, un mâle, un garçon, s'il vous plaît, pour faire un bébé. Ouais, des herbes un peu, ça t'occupait. S'il vous plaît. Ah, 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 ah bah elles sont mortes toutes les deux. recommencer la partie avec la même lignée, garder les gènes débloqués. Bah ouais, mais on a rien débloqué. Et de toute façon, enfin on clique juste, mais... Excusez-moi. De toute façon, c'est pour retourner sur l'autre famille qui va tout... Alors, on revient ici ou... Non, on revient sur l'autre île avec l'autre famille. Ah, peut-être pas. Tiens, c'est quoi cette île? Il n'y a pas les arbres, donc c'est pas... Ah, bon, attendez, on va les tester un peu. On va les tester un peu. Bah, vous êtes mis tout plein. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau? Par contre, vous êtes pourri. Hein. Oh, vous avez que ça comme gène? C'est vrai que les femelles, elles étaient pas terribles, les deux petites. Bon, on n'a rien débloqué. Je sais pas ce qui me semble. Ah, c'est les crocs. Ah ouais, essayons d'avoir le croc, parce que ça, quand même, s'il y a des hyènes, ça va faire bien plaisir. Hop. On vous met les crocs. Ouais, on a débloqué les crocs, quoi. Grâce à la famille qui nous est chier. Ok. Ah, j'allais dire bébé, mais non, vous êtes trop petits pour faire des bébés. Donc direct, on va pas vous accoupler, vous êtes des enfants. Ok, vous avez deux buissons. Oh, bon, on va continuer un petit peu. Continuons un petit peu. Hop. Ah, tant que vous êtes tapotiaux, faites un stock de nourriture. Explorez un petit peu autour de vous avant de faire votre premier bébé. Hop, il y a une taupe. Hop. Ok, il commence à devenir grand. Ah bah dis donc, t'as bien récolté. Ça y est. Maintenant, tu vas pas créer un nid, utiliser des branches, alors que t'as un nid à côté de toi. Ouais. C'est parti, premier bébé. Petit garçon, petit garçon, petit garçon qui n'a pas l'air d'avoir pris les crocs. Qui n'a pas l'air d'avoir pris grand-chose. Maman, ramasse-moi ces bébés. Et là, on est bien sur la bouffe. Là, ça fera plaisir. Ok, allez, explore un petit peu le monde, toi, voir si cette fois-ci on a des voisins qui peuvent venir avec nous, si on a des voisins qui peuvent devenir nos amis, techniquement. Pépé, vas-y, aide maman, toi tu vas ramasser des baies et maman va aller explorer un petit peu. Hop, la taupe, ouais, tu sais pas cogner, toi. Tu sais pas cogner, attends, désherbe un peu, qu'on y voit quelque chose.
L'île est petite, hein. On va vite avoir fait le tour. Très très vite avoir fait le tour. Mais bon, en tout cas, on meurt pas de faim, c'est déjà ça. Et on n'a pas l'air d'avoir de voisins. Il y a... Ah bah, encore. Il y a des gens quelque part. Oh bah dis donc. Ils nous ont mis sur une île facile. Ils ont pitié. Non mais elle joue un peu de difficile, mais elle est trop nulle, on va la mettre sur une île facile. Peut-être. Hein. Peut-être le jeu nous renvoie sur une île facile si on est trop nul. C'est tout à fait possible. On ne sait jamais. Je suis omnubilée par la bouffe du coup. Ils sont censés explorer et je leur fais ramasser de la bouffe, j'en veux plus. Manger! Il faut manger! Ouais. Allez, non, on explore. Là, on bouffe, on est bon. Excusez-moi, je fais beaucoup de bruit en avalant. Encore plus que d'habitude, mais j'ai encore bien mal à la gorge. Ok, bah, tu vas explorer aussi toi, hein, parce que là, on a du stock. On a du stock. D'ailleurs, on devrait refaire un mouflet, en fait, techniquement. Puisqu'on n'a pas l'air de trouver grand-chose. Techniquement... Je devrais rejoindre ta femelle et vice versa. Hop. Voilà, puis t'iras dans ton nid après. Toi explore. Oh bonjour. Ah et là on peut le récupérer. Ok. Là c'est ouais, 3 et pêche. Voilà, récupérer. Là, cette fois. Non, récupère là avant de lui faire un bébé, s'il te plaît. On fait pas des bébés comme ça directement aux dames. On les invite au moins au resto, on fait quelque chose d'abord. Voyons. Et tout le monde a bossé. Donc c'était vraiment cette île de départ où c'était hyper difficile parce que il y avait une autre famille sur place. C'était ça la difficulté de l'île. C'était qu'il y avait une autre famille. C'était rigolo. Franchement, je trouvais ça assez rigolo. Ouais, toi tu ne récoltes pas. D'accord. Et le genre. Petit bébé. Petite fille. Alors, petite fille qui a récupéré les crocs empoisonnés. Ouais. C'est bien ça. C'est bien petite. Hop, maman. Mine de rien, ça baisse parce qu'on a du monde. Hein. Hop. Par contre, il y a quelque chose qui tue. Ah bah si, tu peux récolter. C'est parce que le buisson était vide. Ah bah, il y a un nid là. Parfait, vous allez me faire des petits. Toi ou le jeune ton fils, c'est un peu kiff kiff bourrico, hein. Ouais. On va juste lui mettre des gènes. Ouais, on va continuer et quand même ça parce que ça donne plusieurs choses. Et toi ma fille, donc ça et ouais hein. Ouais, on va rester là dessus ok, en plus vous avez un lapin. Hop. Explore mon vieux, explore. Ok maman, c'était fait. Petite chose, c'est mimi les petits crocs de poison. J'aime bien la tête que ça leur fait. Hop, parce que mine de rien, il va falloir nourrir ce petit monde. Lapin, tout à fait. Bah dis donc, t'es pas un guerrier, t'es pas un super guerrier toi. Hein ah ça y est, donc, du coup tu iras dans le nid après. Et toi un peu au pif. Ah, t'as un petit lapin là. Commençons par la chasse. Et vous tapez pas lourd, hein. Faut deux coups pour un lapin. Franchement, vous êtes vraiment limite hein, sur le combat. Hein. Faut augmenter tout ça, mes cocos. Parce que là, on croise une hyène, on est dans le caca. Hein. Hop, allez, petite. Explore un peu pour aider tes parents. Toi, t'as chopé le lapin, donc. Bon, sur la bouffe, on est bien. En plus, ils ont de la viande, des légumes, enfin, des fruits, ils sont bien. Oh, qu'il est mimi. Oh là là, il est bien, lui. Il a récupéré les crocs empoisonnés, il a récupéré la pêche de la mer. Oh non, 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 bien. Ça commence à monter au niveau de la force. Ronounou, là, il est bien. Ok. Hop, hop. Bon là en même temps on est sur une île facile, hein, clairement.
comme ils ont eu pitié. Là, on est... Ah ouais, non, mais ouais, non, là, on est sur une île facile, il y a des visions partout. On est passé d'une île ultra dark à une île trop facile de la mort. Mais la pitié qu'ils ont eue, quoi. Terrible. Oh, bonjour, t'es mimi tout plein, toi. Alors, attends, puisque déjà, il y a un lapin. Ok. Bonjour, je viens juste... Ah. Attends. Avant de t'emballer là avec cette nouvelle fifi. Bon, on est bien sur la bouffe, hein, forcément. On est sur une île. Elle est un petit peu nullos, hein. Sérieusement, elle est nullos, hein. Alors, elle a beaucoup en déplacement. Elle a beaucoup en vitesse, mais... Non, elle est nulle. Ah, elle a nagé, quand même. Nous aussi, on a nagé. Non, madame. Non, ça ne nous intéresse pas, madame. Vous êtes trop nullos. Sérieusement, je vais plutôt partir à la chasse au lapin. 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 Hop, il y a des buissons partout. C'est la fiesta. Oh. Oui, non, tu tapes sur une taupe que tu sais pas taper. Sérieusement. Hop. Ah oui, oui. C'était épais. Mais le lapin, il y a quelqu'un qui va réussir à le choper? Ou vous êtes vraiment, vraiment des tanches en chasse? Oui, d'accord. Écoutez. Si vous voulez qu'on y fasse. Ok, toi petit, peut-être commencer à aider la famille. Car on est sur la bouffe. Hop, on peut faire d'autres choses. Bon, on a commencé à bien épurer l'île. Hein. Il faut aussi nettoyer par là. Ah ouais, là ça fait un peu petite maison dans la prairie, hein, c'est tellement calme. Bon, je dis ça, petite maison dans la prairie, mais de rien, ça cognait comme série. Ils s'en prenaient plein la gueule, les gens, dans ces séries-là. Les séries toutes mignonnes, mais en vérité, tout le monde meurt. Ok, on va explorer un peu par là. On va vraiment faire un peu tout le coin de l'île. Je sais pas par où on va partir. Ouais. Moi. Je ne sais pas, on va voir. Et n'empêche, la bouffe, elle baisse, hein. À 6. Peut-être refaire un mouflet aussi. Mais il y a des buissons partout. Il y en a encore un là. Il y en a encore un là. Oh la vache, je commence à abuser. Bah, il y a un île là, tenez les filles. Qui me fait un petit, donc ça va être avec lui. Ah bah toi, avant de mourir, faire un bébé. Hop là. En mettant en mâle, on avait lui hein, qui est top. Ouais, c'est avec lui qu'il aurait dû falloir produire. Mais du coup, tu te reproduiras avec elle. Ah bah, il y a un nid là-bas. Hop, rejoins. Et attends. Ah mince, j'aurais dû te mettre dans le nid. Et... Ah oui, non, il est trop petit. Tu peux pas t'accoupler avec. Ok, c'est encore un bébé. Hop. Toi, peut-être ramasser, manger. Et puis voilà, je crois qu'on avait tout le monde. Ok. Tététété. Hop, bonjour petit. Oh, un petit peu moins bien que l'autre mâle hein, quand même. T'es quand même pas le plus extraordinaire des bébés qu'on a eu. On va être full en bouffe. Non, pas. Laisse-la tranquille. Tchou. Ça y est, t'es grand? Tu peux faire des bébés? Ah ouais. Ouais, vraiment ça manger. Et madame. Allez donc dans le nid. Ok, on a lui qui continue à avancer. On a elle qui continue à éplucher. Ah, la paix. Ok. Ah, on a perdu. Oh non, on a un bébé malade. Et urgence. Cassez-vous, bébé malade. Cassos. Oh, dommage. Oh, dommage, parce qu'il était top. Tous les gènes. Oh, il était bien, ce petit. Cette petite. Elle est mignonne. Oh, on dirait une chauve-souris. Elle est trop chou, on dirait une grosse chauve-souris. Ah, la loose.
c'est la loose, c'est la loose. C'est fort dommage. Alors là, le lapin, il a rien capté, quoi. Explorez-moi un petit peu par là. Et je crois qu'on aura donc bien exploré. Tu es trop petit, tu peux rien faire. Tchutchutchum. Hop, exploration. On n'a plus notre vieux mâle. Ah d'accord. Effectivement. Effectivement. Bah toi, tu vas rester ici. Puis tu vas nous récolter à manger quand tu seras plus grand. Toi, tu fais le tour. Fais le tour, fais le tour. Ok, on explore un peu par là. Dec, dec. Oh, il y avait un lapin. Soit. Oh, bonjour. Lapin. Bonjour. Bonjour, du coup. Bah, ouais, mais pas très intéressant, du coup. On va le laisser là. Hop. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, t'as la faille, la faille. Ok. Hop, oui, on sait, il est malade. Et pourtant, bon, voilà, tout le monde est malade de nos jours. Il n'y a que ça des rhumes. Hein. Pauvre petit, naître malade, c'est triste quand même. Petit bouffe. Ouais, des friches un peu. Hop. Hop. Récupère-nous de la mangeage. Et toi, c'est fait aussi. Ok. Et il parle. Allez hop, on y va. Route pour l'aventure. Bon bah je crois qu'on aurait vu un peu tout ce qu'il y avait par ici. Hein, c'est-à-dire des baies. Des lapins. Et le lapin qui se fout de la gueule du monde quoi. Hop, épluchage un peu. Allez, un peu de baie. Bon, bah je crois qu'on va arrêter là. On a bien avancé, on est bien sur la bouffe, on est plus que bien sur cette île. Et donc il faudra juste s'en aller. Mais bon, c'était pour revoir cette île de départ, là, cette nouvelle île difficile. Il faudra peut-être aussi tester les autres en ce mode cauchemardesque. Ça peut être très très sympa d'aller au moins regarder ce qui se passe dans les autres, dans les autres îles cauchemardesques de cette nouvelle partie de niche. Allez, moi je vous fais des bougeous, je vous dis à très très bientôt, et n'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos de niche, n'oubliez pas les likes, ça prouve que vous aimez, ça aide le référencement, et ça, voilà, c'est plus facile de refaire du niche après, parce que je sais qu'au moins les vidéos, elles plaisent, elles seront regardées. Je vous fais des bougeous, je vous dis à très très bientôt, bye bye tout le monde. Mmh, yeah. Time flies, close your eyes, imagine you could see. Everybody else's dream, what a comfort it would be.